Personne ne nous a suivis. Nous avons laissé les forces impériales très loin derrière. Il y a un problème ? La galaxie tout entière s'offre à nous. Et pourtant, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas où aller. J'espère que tu as un plan. Il faut se rallier aux ennemis de l'Empereur. Et trouver quelqu'un pour m'apprendre ce que Vador ne m'a pas appris. Donc on continue de chercher des Jedi. Il y en a un qui est peut-être encore en vie. Le général Kota ? Oui. Quand je l'ai affronté, il m'a dit qu'il ferait partie de mon avenir. Eh bien, j'espère qu'il disait vrai. Direction Nar Shaddaa. Princesse Leia, c'est un honneur d'accueillir un membre du Sénat. Ne vous moquez pas de moi, Capitaine Stern. Nous savons tous les deux que je suis retenue en otage. On cherche à empêcher mon père de s'élever contre l'Empire. Dans ce cas, la situation est très claire, sénatrice. Tant que votre père tiendra sa langue, il ne vous aura fait aucun mal. Sinon... vous serez la malheureuse victime d'une révolte de Wookiee. Ces esclaves sont des brutes épaisses, vous savez. Conduisez-moi à mes quartiers. Avec plaisir, princesse. Général Kota ? J'ai payé pour avoir cette table alors qui que vous soyez. Foutez le camp ! Je vous ai traqué dans toute la galaxie, de Nar Shaddaa à Zyost. Qui es-tu ? Un chasseur de primes ? Pas vraiment, mais on doit pouvoir s'entraider, Jedi. Mais je ne suis plus un Jedi. Plus après... ça. Vos yeux ne m'intéressent pas, seul votre esprit compte. Et tout ce que vous pouvez m'apprendre pour combattre l'Empire. Ceux qui affrontent l'Empire n'y survivent pas, mon garçon. Quoi, là-bas ? Il n'est pas loin. Il vaudrait mieux que vous ayez tort, général. Le voilà, là-bas ! On bouge plus ! Et allez, on est parti. Alors, donc, comme vous voyez, on a retrouvé le général Kota. Juno, il va falloir venir nous chercher à l'extérieur du bar. Maintenant ! Oula, alors ouais, là, il y a eu un petit lag. J'arrive tout de suite. Donc, salut tout le monde, c'est Oupidaz et aujourd'hui, on se retrouve... Ah bah tiens, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il nous suit. Pour la suite de ce Let's Play sur Star Wars, le pouvoir de la Force. Alors on a retrouvé Général Kota. Général Kota qui nous suit, contrairement à la version PS2. Et il n'y avait que dans la version DS, je crois qu'il nous suivait aussi. Alors lui... et vous voyez, il me semble... si je dis pas de conneries, qu'il peut buter les mecs. Mais là je vois pas où il est en fait. Et voilà, vous voyez, il peut les attaquer. Et voilà, donc vous voyez, au moins là, il peut nous aider, Ram Kota, contrairement à la version DS. La version DS, il attaquait genre une fois sur 100 parties, et c'était vraiment casse-couille. Le truc servait vraiment à rien. Voilà, par contre, il va vite m'énerver. Bon, un point positif, j'adore la tenue de notre apprenti. À terre ! Manœuvre défensive ! Alors, Ram Kota qui est à la traîne. Bon, j'espère que ça n'a pas d'importance s'il est là ou pas. C'est génial, on entend presque pas sa voix. Hop là.
D'accord, lui il reste ici. On va chercher compliqué. Voilà. Donc il peut faire diversion. Ça c'est fait. À couvert. Il y a un léger problème. Les impériaux, ils sont partout. Ouais bah. Tu peux te poser ailleurs. Il y a un quai d'arrimage sur la plateforme voisine. Tyne, c'est pas un bon endroit. Voilà. Alors lui à la traîne comme d'hab. Et nous on continue de s'enjailler. Alors j'ai entendu des gardes au loin, déjà c'est génial. Ah putain ils sont là-bas. What the fuck. Manœuvre défensive. Très bien. Ensuite. Un impérial congelé sur 10, ouais, putain. Deux impériaux congelés sur 10. Allez, hop, on y va. Alors, il y en a au-dessus. Putain, on dirait la cité des nuages alors que c'est Narshada et ils se sont pas fait chier. Je vous parie combien que je tape cité des nuages, je peux vous retrouver un truc du même genre sur le net, quoi. Oh là 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 là. Protéger le général Kota, il est où? Ah ouais, merde. Mais il est où, général? Bah, c'est vrai, on est tranquille. Ouais, déjà, ça s'est fait. Général, vous voulez bien presser le pas? Bah, ok. Si je vais à la mort, je préfère marcher. Ouais, il tente de faire une phrase philosophique qui n'a rien à voir. Alors. Voilà, ça s'est fait. Encore? Où ça? Voilà. Allez, suis-moi, Billy. On y est presque. Les autochtones en colère. Ah. Très bien. Ah merde, c'est moi qui ai massacré le général Kota? Ah mais non, c'est pas lui, putain. Tellement à la bourre que je confonds avec des clones au loin. Très bien. Bon, allez, allez, là, un petit combo à chaque fois. Qu'avons-nous ensuite? Ah d'accord, il est pas mort lui. Hop là, ça y est, c'est fait. Voilà, ça sert strictement à rien, mais c'est cool. Ah. Bien. Ah ouais merde, c'est un boss. Oh putain. On a un problème par ici. Pas bien, c'est qui? C'est lui.
Oh mais... Voilà ce qui m'énerve, vous voyez, c'est que... On n'en sait fichtre rien de ce qui se passe, là, en fait. Là, vous voyez, il y en a... Mais regardez-moi ça. Fais attention! On me tire dessus! Voilà. Putain, mais qui... Oh, mais... Ça fait 100 000 fois que je bute. J'ai l'impression de buter 100 000 fois le même gars, étant donné qu'ils sont jamais ensemble. Mais lui, là, qui en profite pour faire un combat à la déloyale. Genre. Quelque chose me dit que... Ah ouais, voilà. Je me disais, ce serait trop beau, vous voyez. Il est où, Kota? Parce que dans mes souvenirs, il était là aussi, hein, dans le combat. Ok, on part. Ok, d'accord, ça c'est pas bon. Et du coup il le reprend, et oui, parce que dans la version que j'ai, les QTE, il quand on en rate un, on reprend de ce point là. C'est de la folie, mon garçon. Les forces de l'Empire sont illimitées. Tu finiras par te faire tuer. Ou pire, et tout restera comme avant. Alors vous préférez croupir dans une cantina plutôt que mourir en héros? Je ne sais pas. Mais je connais quelqu'un au Sénat qui pourrait exploiter tes talents au sabre laser. Où est ton vaisseau? Ah! Le Rock Shadow. Donc voilà. Ah putain, encore un épisode court, Fatalité. Ah oui, mais c'est vrai, les épisodes là, ils vont s'enchaîner assez rapidement. Écoutez, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire, abonnez-vous pour devenir un vrai Seigneur Sith. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao.